Wow, elle a l'air super bien cette chaîne, je sais pas où c'est mais j'irai bien moi, plutôt de m'emmerder à streamer. Ah bonjour les gens, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas en week-end, c'est Huston? Ah oui, vous faites partie de ceux qui se sont barrés, chez papa, maman, les cousins, la famille, même des inconnus. Histoire de plus être en ville, ah c'est une super bonne idée, hein. Je suis trop d'accord avec vous. Moi je surveille la ville pendant ce temps, vous inquiétez pas, hein. S'il y a un peu le feu, ce sera normal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? J'enregistre des rushs. J'enregistre des rushs sur quoi? Sur un jeu, bien entendu. Un jeu qui n'est pas encore sorti. C'est une bêta, même. Sur ce titre qui s'appelle Scamper. Oui, Scamper. Mais il faut bien dire sinon c'est moins drôle. Cette séquence. Oui, c'est tout moi. Je sais. Et donc... aujourd'hui, on va faire la découverte de ça, je vais enregistrer quelques rushs, je vais vous présenter le jeu, vous allez forcément comprendre pourquoi je me retiens de rigoler depuis le début de ce stream. Parce que, tout à fait honnêtement, quand vous allez découvrir de quoi ça parle, vous allez être d'accord avec moi que Monsieur K est un gros casse-cou, et c'est pas forcément un titre dans lequel vous seriez allé spontanément, j'imagine. Enfin bon, pour vous la faire courte, ça va parler d'écureuil. Et de baleines volantes. Voilà. J'en dis pas plus, on va lancer le jeu, je vais le découvrir en même temps que vous, je m'attends à absolument tout. C'est y part. Faites comme moi, prenez une grande respiration. Est-ce que je vais pas chercher un truc à bouffer ou à boire ou... Bah, on verra pendant. Donc les amis, bienvenue dans Scamper. Oui, c'est moi tout en haut à gauche, et je suis poilu avec une longue queue, bah comme dans la vraie vie quoi. Et derrière, vous voyez donc, je ne vous ai pas menti, la baleine volante. Niveau histoire, apparemment, il paraît que je suis dans le rêve de quelqu'un. Je sais pas ce qu'il a pris avant de dormir, mais ça devait pas être un petit cachet pour faire dodo, ou une petite boisson apaisante, une tisane, quoi, je crois. Alors, si c'était une tisane, il devait y avoir des champignons dedans. Quel est cet appareil à droite? Je n'en ai absolument aucune idée. Mode découverte avec Monsieur K dans The Big Game of Ski, c'est maintenant. Dear Petunia, once upon a time we visited your planet Earth. We never expected that our picnic would do so much damage to your world. We are sorry. We tried to rebuild everything exactly as your goldfish friend Matilda remembered it. Unfortunately, Matilda got lost. We know it has been a very long time since you were a squirrel on Earth. But we need you to activate all the animals and then turn off the force field. Find Matilda and make sure everything works. Then you can call a zeppelin to return to us, where you belong. Best wishes, and hope to see you again soon. The aliens. Tout c'est clair? J'ai donc été kidnappé par des aliens. Et ces aliens m'ont kidnappé et ils sont persuadés que je suis un écureuil. Et ils ont essayé de recréer mon monde réel autour de moi. Oula, je vais baisser les qualités de texture parce que ça rame un peu beaucoup trop. Il y a une sacrée inertie dans les déplacements. Et donc ils m'ont kidnappé et ils ont recréé la Terre le plus fidèlement possible. Enfin, d'après leur point de vue alien. Parce que déjà, si je suis humain, ils m'ont réincarné. Regardez cette baleine encore. Ils m'ont réincarné dans un écureuil quand même, les mecs. Donc voilà, il va falloir que je présume je trouve des glands pour faire différentes choses. Alors on va aller dans les options quand même, vérifier si on peut pas avoir les subs, ce serait plus sympa. Bon, pas de sous-titres les amis, je suis désolé, il va falloir vous appliquer pour votre anglais. Ah, qu'est-ce que je fous là? Donc, escape... Oh, c'est objectif. Alors, ramasser un gland, ouais. Faire apparaître une créature, monter à un arbre, courir sur une branche, partir de la ferme, monter sur le train. Et ligne suivante, c'est trouver la grotte à trésor, relâcher un compagnon, invoquer une baleine, monter sur une baleine, volantin, je le rappelle, j'insiste, trouver le monde de l'océan, trouver le monde de la nuit, et tout en bas, nous avons trouvé le monde de l'hiver. Explorer le monde de l'hiver, trouver le bonus caché et the fin. Alright. Je sais pas où on va les gars, mais on y va en tout cas. Jamais peur. Oh, regardez, il y a un gland.
J'ai trouvé un gland, les gars. J'ai trouvé un gland, les gars. Les gars, j'ai trouvé un gland. Je fais quoi? Ah, c'est le premier d'une série, apparemment. Ok, il y a quoi derrière? Mais il y en a plein. Alors, je marche comme un... Ah, mais le gland, c'est une arme. Alright. Ces glands, je dois les amener où, les gars? Parce que si y a un dessin, un noir dessin derrière, j'aimerais le comprendre. Histoire de pas crever. Je suis un écureuil, je peux monter. Yes. Oh, la souplesse. Ça, c'est ma queue pour l'équilibre et mon pelage pour la délicatesse. J'ai pas fait exprès pour le rien, je suis pas désolé. Hop, 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 regardez-moi ça. Je suis un vrai écureuil, avec un Z majuscule. Où va m'emmener ce jeu? Sérieux. En tant qu'écureuil, je pense que je peux me mettre des beaux gadins. Hein, on va dire jusqu'à 15 mètres. Oh, il y a un truc là-bas qui m'a dit quelque chose. What the what, les gars? Tu veux que j'aille où, gars? Monter sur le toit? Ouais. Alors, il a quand même des grosses sandales en bois, hein, mon écureuil, si vous entendez bien le bruit comme moi. Non? Bah, il me semble. Go to the ground floor and activate animal first. D'accord, il y a un ordre. Ouais, je vais respecter. Pour faire quoi? Je sais pas. Invoquer un portail transdimensionnel qui ferait venir Aloy. Ah oui. Bon, je vais me mettre un gadin pour voir d'où je peux tomber. Oh, regardez, un animal. Oh, salut. C'est pas très beau, mais... Alors, je sais pas comment faire. M, c'est une map? Oui. Vous êtes ici. Ça, c'est moi. Et ça, c'est mon monde. Il y a plein de trucs. Ok. On va dire que ça peut bien se passer. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Lui, il m'a dit qu'il y avait un animal à activer au rez-de-chaussée. On va faire... Je peux courir? Ouais. Je peux pas le... Bah, je passe à travers, ok. Vous avez déjà essayé de passer à travers un port par derrière? Eh bah, ça va être une première. Ah, ça marche pas. De côté, je peux, mais derrière, non. Bon, on va continuer de chercher en bas, il doit y avoir des trucs. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, sérieux? Il doit y avoir un gland à lancer sur un interrupteur ou une connerie comme ça. What? Oui, il y en a une icône de cliquage. Je vais lui donner un gland, d'accord? Jusque là, on aura quelque chose de cohérent, je pense. Et d'un cochon est née, bien entendu, une girafe. Puisque les baleines volent de toute manière dans ce jeu. Et les animaux, attendez-moi, attendez-moi. Il a une inertie, cet écureuil. C'est un wampa, quoi. C'est un écureuil volant, vraiment. Et si je leur tire encore dessus? Bump. A chaque fois que je tire un gland, ça fait apparaître une girafe quand même. Pourquoi? Ne me demandez pas. J'en sais pas plus que vous. Alors, j'avais prévenu au démarrage de l'émission, cette séance va être complètement cramée du bulbe. Comme ce jeu d'ailleurs. Alors, les papillons, moi je m'en méfierais à leur place parce que les papillons, quand même, dans le folklore japonais, c'est symbole de mort. Je veux pas dire, mais quand même. Voilà. En Europe, les papillons, les enfants, on leur fait voir comme c'est joli. Mais au Japon, c'est l'âme d'un vivant qui s'en va, faut le savoir. Bon. Je vois rien de particulier. On va voir mes objectifs si ça évolue. Monter à l'arbre. But where is the tree, Bobby? Même les oiseaux dehors s'affolent devant ce jeu. Alors, cette inertie dans le déplacement là est super pas agréable. C'est quoi ça? Un gland géant. I found the sauvegarde. Ah, je crois que c'est un enfant dans le couloir qui pleure. Tu aimes pas le jeu? Enfant? Dis enfant, tu aimes pas le jeu? Tu finiras comptable si c'est comme ça, sale gosse. Alors, il y a toujours ce truc là-haut. Maintenant, il me dit d'y aller, je pense. On va essayer. Oh putain, ce jeu. C'est n'importe quoi. Je vais quand même vous refaire voir les baleines volantes, quoi, histoire de dire que j'affabule pas. Je me demande ce que les devs avaient pris pour développer ce genre de concept. Voilà, c'était où? Ah, oh, putain, tu te casses pas la gueule, malgré les curieux que tu es. Merde, 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 merde.
Qu'est-ce que ça est que ce bordel? Hush. Vas-y, petit écureuil, vas-y. Là, j'ai bon. Je peux jouer avec la machine. Normalement, il y a un panneau à côté où c'est écrit « Ne touchez pas le bouton ». Je vais le faire quand même. Bonjour! What did happen, les gars? Oui. Ok. Donc, il faut réapparaître. On va faire réapparaître le menu objectif parce qu'on n'est pas très, très éclairé. Quitter la ferme. Ouais. Courir sur la haie. Et monter à l'arbre. Alors, quel arbre, mon pote? Ce jeu est un peu... beaucoup barré, je crois. Arrête. Rends-moi ça. Des suggestions dans le chat? Celui-là? Ouais, moi aussi, je suis tenté. Et un dirigeable. C'est à peu près normal que ça vole, un dirigeable. Elle est où, ma baleine? Bon, il y a des bouts de montagne qui volent aussi, mais c'est pas grave. On va sur notre arbre. Yaha! Alors, ils auraient pu faire quelque chose de sympa pour le vol, parce que là, c'est... Oh, puis les bruits, laissez tomber, les gars. Est-ce que je peux m'agripper tel l'écureuil habile que je suis? Normalement, oui. Avec mes petites griffes. Voilà. Regardez-moi ça, si je suis soupeleux. Digi, 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 digi. Putain, les mecs, ils avaient pris quoi quand ils ont fait ce jeu? Ah! Les mouvements de caméra, comme ça. Non, je vais vomir, madame. Madame, on arrête. Oh, oh. Oh! Oh! Ah! Est-ce que monsieur K vous a déjà spécifié qu'il avait des légers problèmes de vertige? Non? Là, là, vous le saurez maintenant. Oh putain, je suis en train de vous casser les... Ah, il y a ma baleine en plus. Oh putain. Non, les devs, faut arrêter. Il y a un moment pour coder, il y a un moment pour s'amuser. Mais mélangez pas les deux, quoi. Votre baleine, qu'est-ce qu'elle fout? Il y a un phare, on est en pleine terre. Qu'est-ce qu'il me dit dans les objectifs? Je suis monté sur le tri. Monte sur la haie. Alors, on va trouver la haie. Brigitte? Les vieux connaissent la référence, hein. Alors, en plus, c'est pas la meilleure. Je peux pas aller sur le tortillon parce que ça me tente, ça. C'est tellement con. Ah, je chute, je tombe, je me vautre, je vais m'éclater comme une... comme un écureuil. Oh, regardez une haie. Il faut que je cours dessus, sinon c'est pas bon. Hein. Regardez-moi ça, je suis le Jean-Claude Van Damme des écureuils. C'est un moment exceptionnel que nous vivons ensemble. Objectif suivant. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu, les mecs, sérieux? Monter dans le train. Bah, faut que je le trouve, ton train, trop. Train. Premier qui voit un train, il crie. Yip-dip, yip-dip. Il y a un train, il y a un train. Il faut une gare pour un train, non? Ouais, d'ailleurs, il y a un embrouille dans le jeu. En tout cas, le bruit de sabot pour la marche de l'écureuil, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure idée pour ce jeu, puisque... Ah, je vais dégueuler. Il y a des rails. S'il y a des rails, il y a un train pas loin. Et il y a des petits poissons chirurgiens qui volent également. Je pourrais tourner un épisode de Cousteau présente. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le train? Non, je crois pas. Il y a encore des énormes glands. C'est ça le train, ok. Doucement, doucement les gars, je sais pas conduire un train moi. E. Et X. Je sais plus. D'accord, E c'est le on-off. Et le X c'est pour reculer. Ok, on y go. Petit à petit on va s'y faire. Hein. Ah non, on change. En fait, X c'est un commutateur pour changer la direction tout simplement. On va y arriver. Oui, la vie de testeur de jeux vidéo, c'est parfois explorer des choses plus qu'inconnues et étranges comme ce... ce jeu. Qui m'emmène. Je ne sais pas où. Si, devant ce grand arbre. Avec un truc vert là-haut qui a l'air... qui a l'air visitable. Alors, comment j'ai fait pour trouver ce jeu?
Le truc assez magique, c'est que c'est lui qui m'a trouvé. Apparemment, la chaîne The Big Gimowski se trimballe une bonne réputation de chaîne pas piquée des hannetons sur les sujets. Et j'ai l'impression que les gens, quand ils savent pas où montrer leur jeu ailleurs, soudainement, ils se rappellent du côté éclectique de Monsieur K. Et s'empressent de soumettre leur... comment dire? Leur créativité en phase d'alcoolémie profonde. Non, je vais pas juger quand même, je suis pas comme ça, mais... Ok, on va aller loin comme ça les gars. Est-ce qu'on va dans le tunnel? Je pense que le tunnel ça va bloquer. Hein. On peut pas mettre un turbo. Non. Bon, non j'ai rien dit. What is this place? La map. Ah, le tunnel ça se trouve, ça va me faire réapparaître en haut comme des vieux trucs classiques. On tente, hein. On tente. Jamais peur, jamais mal. Jamais de douleur. Ah non, c'est un sac de huc. Bon, j'arrête pas, moi je freine pas. Je suis un ouf. Allez, descends, petit écureuil, descends. Elle est un peu bruyante, cette cascade, ou c'est moi? On va voir, je vous parle après. Ouais, le truc, c'est qu'il y a toujours un passage secret derrière une cascade dans un jeu vidéo, c'est connu, mais pas là. Ah, je viens de toucher le mur invisible. C'est le fameux mur invisible de la map, donc on n'est pas du tout du bon côté. Il est où mon grand arbre géant, là, qu'on avait vu tout à l'heure? Je sais pas, il y en a plein en plus, c'est le bordel. Ah, oh, mais ce serait pas ça qu'ils appellent une forêt. Où s'est tiré mon TGV là? Alors il y a d'autres rails ici. Ça doit être à débloquer plus tard, je pense. Est-ce que je suis gracieux comme je vole? Hop, 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 arrête pas là-dessus. Mais vise, nom de. On y go! Allez, tout le monde à bord. C'était bruyant pour pas grand chose ces cascades, hein. Non, vous trouvez pas? Y'a quoi là? Attends, attends. D'accord, je fais apparaître des girafes moi régulièrement, je sais pas pourquoi. Mais ça va être super bien. Y'a pas d'autres indications? Nom de Zeus. Bon, je vous autorise à prendre quelque chose pour comprendre quelque chose, parce que moi, plus argumenter, expliquer, ça va pas être possible. J'y vais, les filles. À bientôt. Ce jeu, les amis, je sais pas ce qu'il leur a pris aux mecs qui ont fait ça. Enfin, je sais ce qu'ils ont pris, quoi, mais je sais pas ce qu'il leur a pris, à proprement parler. Il est où l'arbre que j'avais vu, le géant, c'est celui-là? J'aurais peut-être pu y aller vu que j'étais à côté. Ouais, il a pas l'air d'être fait pour, on regarde sur la map. Ouais, non, il apparaîtrait plus en évidence. On va aller de l'autre côté là-bas vers le dirigeable, voir ce qui se passe. Scamper, mais c'est quoi ce jeu, sérieux? Qu'est-ce que je fous là, moi? J'aurais dû vous streamer ça un soir, après moi-même avoir consommé. De quoi faire la fête? On dirait qu'il y a un terrain de jeu par là. Et je pense que ça se serait pas moins bien passé. On va descendre par ici, je pense. Je pense beaucoup. Hein. Bah oui, j'ai plus que ça à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces mecs? J'y vais. Je suis essayé de meubler comme je peux, mais je suis comme vous, je sais pas où on va. Il est quand même là le souci dans ce jeu. En général, quand on vous fait un titre, bah, on vous explique un minimum ce qu'il faut faire. Puis il y a une logique qui est assez évidente. Attends, attends, arrête de me faire voler. Ok, c'est une sauvegarde.
国惑星を撃破しろ。カラーデザインとボイス機能がついた本格的スターアドベンチャーゲーム、スターラスター。空想してから寝てください。スターラスター新発売。Mention plus plus pour les bruitages par Jean-Michel, toujours. Jean-Michel qui nous régale de ses performances vocales pour arriver à imiter le son de l'eau, hein, par exemple. Il a dû beaucoup boire de je sais pas quoi d'ailleurs. J'espère qu'il en a pris plein. Sérieux, on va où? On fait quoi faire cette map? Non mais je vais aller au bord de la map et ça va rien faire de plus les filles. Moi je le sens comme ça. On va y aller quand même, on a commencé mais... J'ai l'impression de me balader à Champs-Rousse. Hein, on va voir le petit lac là. Vers les lacs Robert. Oui, vous chercherez sur Google Maps, ça existe vraiment. Champs-Rousse, lac Robert. La balade est pas mal. Mieux que ça en tout cas. Et on n'est pas obligé d'être un écureuil qui vaut des baleines volantes. Un peu désagréable non plus. Ah putain, mais on va où là les gars? Ah, musique tendue. Je suis dans la bonne direction, je commence à avoir le doute. Putain, mais il va pas dans la bonne direction. Le jeu est quand même bien bugué quoi. Je sais pas. Regardez, ma flèche. Et elle suit les rails. Bah non, là je suis perpendiculaire au rail. C'est n'importe quoi ce truc. Je pense que ça va être le stream que j'aurai le plus vu sur la chaîne vu que je vais être le seul à l'avoir montré. J'imagine la gueule des autres youtubeurs qui doivent présenter ce jeu. Et puis quand ils vont commencer, ils vont faire bon, je suis à l'écureuil et... Ah, le gland ça va leur plaire forcément. Il y a beaucoup de glands parmi les streamers, c'est connu. Mais... Et ils vont rapidement avoir le même problème que moi, c'est ils vont pas savoir quoi faire. Comment dirais-je? Et alors, Jean-Michel au bruitage. Ah, Jean-Michel a fait encore un excellent travail. D'ailleurs, on va lui demander ce qui s'est passé. Jean-Michel, tu peux nous expliquer comment tu as fait pour faire l'eau? Oui, alors là, il nous dit que pour faire l'eau, il y songeait quand il était sur les toys. Et il y avait une petite fuite qui faisait que la chasse d'eau laissait un filet goûter régulièrement. Et c'est ce qui l'a servi à l'inspirer pour faire les bruitages de ce jeu. Merci Jean-Michel. On se bat. Mais de rien. Elle est trop défait. Non mais toi d'abord. Voyez trop. Alors ferme ta gueule. Je pourrais peut-être réanimer un lion. On va pouvoir faire un passage Paul Prébois. Ah le Léo. Ah. T'y poussé, ne va pas dans la forêt. Ah bah tu pourrais bouffer une girafe par contre si t'apparaissait le lion. Ah, y a des glands de différentes tailles, attention. Oui, tous ne sont pas les mêmes. Et ce gland doré, c'est encore une sauvegarde américaine. Spoiler. Dites les cerfs, enfin les loups cerfs, parce qu'il y a quand même un loup que... Aie pas peur. Je suis Paul Prébois, regarde. Ah le cerf, ah maman, le cerf. Ah, viens là petit, ah, t'es, j'ai de l'herbe, connard. On y va. Ce jeu, putain. Il y a eu une petite musique. Aucune indication visuelle pour dire qu'il y a un truc potentiel qui est arrivé. Mais je suis devant la grande tour dorée. Ah, ça pique les yeux, ça éblouit. Putain. J'ai pas peur. Les champignons sont mes amis. Je peux pas en goûter un. Pourtant, je suis un écureuil. Hein. Et un écureuil un petit peu curieux, quoi. C'est dommage. Qu'est-ce que c'est? Ah, mama! Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as sur le trou! Oh! Oh, peu cher. Non, mais les devs, sérieux! Vous tourniez à quoi, là? Moi, je veux bien, mais... Attendez, il y a des chanterelles là. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai déverrouillé un truc!
On sait pas pourquoi ni comment, mais j'ai déverrouillé un truc, c'est extraordinaire. On va vite aller au village champignon, voir le champignon géant et tester ce qu'il a à nous révéler. Oui, on va sur une grosse omelette. Les mecs, qu'est-ce que vous avez voulu signifier? Alors, les gens qui comprennent ce qui se passe, je les invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, puisque, bien entendu, je serais ravi de comprendre moi aussi, et de ressortir un peu plus éclairé de cette expérience. Putain, mais c'est quoi ce truc? On y va, ça m'a pas impressionné, on va dire. Et les champis, vous avez pas vu un énorme champi? Un comme vous, mais en plus gros. Sur lequel il faudrait que j'interagisse, j'imagine. Je sais pas. Et les champs. Putain, mais aidez-moi, faites quelque chose. Oh, là-bas, ça le sent, là, ça le sent. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe, ces genres de jeux, et pas sur JDG ou MV? C'est dégueulasse. MV, infirmière, trouve-moi le numéro de MV. Tu l'appelles, tu lui dis que je lui ai trouvé un jeu génial. Il faut absolument qu'il le teste en avant-première. Il faut même qu'il fasse un partenariat avec, j'imagine, quoi. Parce que c'est the game to be. Tu lui dis ça. Merci. Hein? Bon, tout ce qu'il y a des cônes, malgré que, ou bien que, c'est ce qu'on peut pas approcher apparemment. Donc, you've got to find your way to go to through the... je sais pas. Je pourrais... chanter pendant le stream pour meubler. Et donner l'impression que tout est bien et qu'il y a plein de trucs à faire. Alors que si vous regardez bien... je tourne comme un con sans but. Qu'est-ce que c'est que... pourquoi il est cassé celui-là d'arbre? Faut faire quelque chose, c'est obligé. Monter dessus par exemple. Putain, c'est le premier écureuil handicapé de ma vie que je vois, quoi. Il sait pas faire son job d'écureuil, grimper à un arbre. Je vous prends témoin, les amis. Arbre, écureuil, voilà. Grimper. Yaha! Mais purée que t'es con, mon pauvre écureuil. Alors, je suis très très curieux de savoir... on va continuer encore de tourner dedans. Hein. Mais quand j'aurai bien avancé, je suis curieux de savoir mon bilan que je vais mettre sur ça. J'ai déjà une bonne grosse idée, mine de rien. Oui, jeu conceptuel, intéressant, innovant sur bien des points, mais... qu'est-ce qu'on se fait chier? Au moins, on a peut-être un endroit où se suicider si le jeu me casse vraiment les burnes. Est-ce qu'on peut nager ou se noyer? Ça va être une chose qu'on va savoir tout de suite. Oui, j'ai fait super bien Kermit. Oh, regardez-moi ce magnifique mur invisible. Oui, c'est un vrai. On peut le toucher pour le vrai. Regardez, vous le sentez. Mettez la joue dans l'écran. Eh, ça couine. Une grotte, là. Une grotte. C'est obligé, il y a une grotte. S'il n'y a pas de grotte, c'est que c'est vraiment des énormes, des pathétiques. Attendons, refaisons voir ce changement de texture. Je te vois autrement. C'est du RTX, ça, les gars, je me trompe pas, non? Putain. Alors, on va essayer de trouver des qualités, hein. Ça va être le challenge du jeu. Je pense que c'est son challenge principal. Hein. Parce que jusqu'à maintenant... tu tournes en rond comme un couillon. Tu te frottes un peu contre des champis, ça en allume certains. Allez, venez, on va se frotter. Je suis frotte-man. Faut peut-être tous se les frotter. Les écureuils sont obsédés sexuels, il paraît. Ça, c'est une personne spécialisée dans les trucs de zoo qui m'a dit ça. Donc, c'est assez réaliste, là, niveau simulation. Je sais pas si je vais me faire flyer sur Twitch en me memant le thème de Star Trek, mais on va le faire quand même. Mmh.
ça c'est d'où je viens, donc c'est pas bon non plus. What the f... Est-ce que je peux prendre le tunnel là? Ça serait une bonne nouvelle, vu qu'on est arrivé à ce côté-là, de ce côté-là, et qu'apparemment il y a un autre bout de tunnel là-bas. Regardez-le. Elle me narre, cette baleine. D'ailleurs, il faudrait qu'on trouve un prénom pour la baleine. Moi, je l'appellerais bien Ghislaine. Mais je trouve ça bien pour une baleine. Puis ça me rappelle une amie, qui n'était pas grosse d'ailleurs. On n'avait pas imaginé des choses. Alors je rappelle que c'est très pratique les lampadaires dans la forêt, c'est très répandu. Ça fait comme des arbres mais en métal. Ils durent plus longtemps. What's happen? Qu'est-ce que c'était ce truc là? Refais voir. J'ai trouvé le monde de l'hiver et je parie que j'ai plus, laisse-moi deviner, de map. Ah oui, pareil, j'ai plus de map. Enfin, je reviens d'ici. On y va! Oh, je peux me la faire, cette baleine. Je peux me la faire, elle m'attend. Regardez! Regardez, elle m'attend! Gigi! Ghislaine! Tu m'attends? Bouge pas. J'ai lubrifié mes béquilles pour faire un plus grand saut. Oui, parce que je suis un con d'écureuil qui sait pas sacrifier aux arbres et... Je vais te monter dessus. En passant par le Lions. Baleine. C'est trop. Oh putain, j'y suis arrivé. Oh, je dis plus rien, vous allez triper là. Ça fait une vacance, une pause. Alors, il y a des actions à faire sur la baleine. Avec Z et S, si ça vous tente. Z pour son plaisir. Et S pour stop. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, cette... Elle fait demi-tour. Bon, on va sauter, les gars. Ça m'a saoulé. Pousse-toi, pousse-toi. Je veux descendre, je veux descendre. C'est là, mon arrêt. C'est mon arrêt. Putain de conne de baleine de la haine. Oh. En plus, elle passe dans les arbres, en n'importe quoi. Aïe, 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 pourquoi j'ai dit oui? J'ai l'impression que mon intelligence a été violée. Ce truc n'a aucun sens. Ce truc... Non, non, non. Je n'y retourne pas. Plutôt crevé. D'ailleurs, je vais me jeter dans la falaise. Ah, bah, encore un mur invisible. Mais arrêtez avec ça, les gars. On est en 2021. Assumez vos jeux. Ou faites autre chose. Programmez un démineur. Donc, ces arbres en fer, on les appelle des lampadaires. C'est très rare en forêt. C'est une espèce protégée, faut surtout pas les abattre. Et le truc qui est bien, c'est que la nuit, il brille. Vous retiendrez? Allez, on y va. Écureuil, écureuil, je suis un écureuil, 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 je suis un écureuil. Monsieur, qui est en train de péter les plombs? Absolument pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, les amis? Vous plaisantez, j'espère. On se connaît un peu, vous n'allez pas me faire croire que... Mais non, regardez, je gère totalement ce jeu. On va enfin aller sur le dirigeable... Il faut prononcer comme il faut, sinon il marchera moins bien. À nous le dirigeable. C'est quoi ce truc qui s'est vautré la tronche? La statue de la divinité du coin. Ouais. Oui, vous sentez le ton de ma voix, je deviens un petit peu plus amer. Parce que là, ce ton-là, j'en aurais besoin sur mon lit de mort. Quoi. Quand ce sera les dernières minutes de vie qu'il me restera. Et je m'en rappellerai. Je me rappellerai très bien avoir perdu une heure plus sur ce jeu pour vous le montrer. Alors que j'aurais pu consacrer cette heure à vraiment profiter de la vie, quoi. On va essayer de grimper sur cette merveilleuse chose volante. Regardez-moi ces géométries Pif Gadget.
C'est les géométries pile gadget. Le truc de face, il présente bien. Alors de derrière, tu sens que les mecs, ils ont pas eu le temps de tout faire. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Je sais plus quoi dire. J'ai épuisé mon stock de conneries. Pour me meubler tant bien que mal. Et je dois avouer que là, j'arrive à un stade où... J'ai plus envie d'être sympa. Non, ma tolérance, mon jerrycan de tolérance a été utilisé. Il n'y en a plus. J'ai vraiment envie de brûler ce jeu. Et j'aimerais bien remonter à... Bah, je pense sur une utilité quand même pour voir un petit peu les environs en montant sur un arbre. Mais cet écureuil est bien trop con avec ses béquilles. Si on vous propose ce jeu en vous disant c'est génial, tu vas voir, tu vas être un écureuil et tu seras sur une planète avec des dirigeables, des baleines volantes, des champignons. Et c'est super trippy. Croyez-moi. Fuyez. Fuyez, pauvre fou. C'est un piège. It's a trap. Que ça m'a vraiment outrecassé les couilles, on va dire. Oui, c'est au-delà du cassage, quoi. C'est. Vous voyez, des trucs pilés, bah c'est encore plus fin. C'est de la farine de couilles, là. Désolé, les gens. Non, pas désolé, en fait. Ce jeu m'a épuisé. Il m'a épuisé tout mon stock de jokes. Il m'a épuisé tout mon stock de conneries. Je sais absolument plus quoi faire dedans pour le rendre un minimum intéressant. Je vais abdiquer. Je me rends. Le jeu a gagné, il est plus fort que moi. Même Sega m'a pas fait ça. Oh non, pas... Jean-Mi, arrête avec la flotte. Ah, ah, ah. Mais je sais nager, bande de cons. Enfin, je sais marcher sur l'eau. Alléluia. Il manquerait plus qu'il pleuve. Qu'il pleuve quoi? Bah, qu'il pleuve des hommes, enfin. Alléluia. Oui, vous avez la référence. Oh, pff. Écoutez un peu plus de musique, ça marchera mieux. Est-ce que je vais voir le gros truc bleu de merde là-bas, avec ce gros gland qui est planté bah, comme un gland de toute manière. Jean-Mi, les bruitages. Change de métier, fais autre chose. Je sais pas, ouvre un truc de fast-food. Un sex shop à la limite, je sais pas. Mais non, le bruitage fini, faut que tu arrêtes. Ça ne sert à rien. T'as vu ce que tu fais? Oui, mets le doigt dedans. Goûte. Eh ben oui, c'en est. Donc il faut pas. Bah voilà. Donc je réitère, hein, les amis, je suis désolé de vous avoir présenté ce jeu. C'est la première fois où je suis obligé de m'excuser d'avoir présenté un jeu. Instant émotion. Eh oui, instant émotion. Aujourd'hui, j'ai consommé du carburant, niqué la couche d'ozone, pour vous emmener à l'autre bout d'un monde qui n'existe pas. Vous faire découvrir avec des images sursaturées cet endroit que vous ne verrez jamais, bande de pauvres. Je fais super bien Nicolas Hulot, mine de rien. J'ai cru moi-même, à un moment, j'ai failli mettre une tarte. Pourquoi vous faites des jeux comme ça? Je ne peux plus, laissez-moi sortir. Ma touche escape, elle marche même plus pour quitter. Playlist, bouton d'abonnement. Mais si c'est encore un jeu avec des écureuils, venez pas. Je vous dis tout de suite. A plus. Je vais essayer de bouffer un truc empoisonné, je veux plus que ça pour sortir de ce jeu.